Procédure, nouvelle procédure, on va l'appeler cache image. Oula. Cache image. Donc, dans cache image, on va mettre ça, que l'on copie. Copier. Et on y met là-dedans. Coller. Et on les passe à fond. Fond. Donc pour aller plus vite, on va ici, on tape vrai, à remplacer par faux. Voilà. On met code affiché, on valide, voilà. Pas perdre de temps. Alors, on sépare. Donc ça, il n'y a pas de problème, les images seront fausses. Alors ici, on va mettre si player player alors player humain match moins player ordinateur match égale 2 où player ordinateur match moins player humain match est égal à 2. Alors, donc le bouton est égal faux. Sinon, le bouton égal vrai. Voilà. Je mets la parenthèse. Et là, je mets la parenthèse. Voilà. Ah, c'est pour cache image. On sauvegarde. Alors, il nous reste une dernière. Non, il me reste encore deux à faire. On va créer une nouvelle procédure locale qui va s'appeler hasard ordinateur. Comment on joue contre l'ordinateur? Nous, on choisit une image au hasard. L'ordinateur va faire la même chose. Alors, le code est simple. Alors, ini, hasard, voilà, comme ça. Alors, n résultat est égal à hasard 3. Pourquoi 3? Parce que on a 3 images. Alors,
Voilà. Donc, selon résultat, si c'est l'image, le cas 1, ici, image ciseau. Cas 2, image papier. Et le cas 3, image cahier. Voilà. Marque autre cas, on n'est pas forcé de le marquer. Hein. Autre cas, et ça. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. On sauvegarde. Et le dernier, c'est l'analyse des résultats. Nouvelle procédure. Analyser. Analyse. Résultat. Avec un A majuscule, c'est très bien. A majuscule. Avec analyse. Ici, analyse résultat. OK. Alors, dans analyse résultat, plein de trucs à faire. Alors, c'est selon GS ordinateur. Alors, K 11. On a un son qu'on va aller chercher dans le fichier son. Nul. WAV. Voilà. Alors. Tac. Bon, je vais mettre tous les résultats. L'ordinateur a perdu un point. Alors ensuite, voilà. On va remplacer l'humain par le player. J'avais marqué humain, mais player, ça serait peut-être mieux. Alors, le player, player, interdit. Ou le joueur, on va être français. Le joueur. On va regarder player.
a perdu un point, a perdu un point pour l'ordinateur, la feuille en repeté. Ok, ça marche. Ok, 33, c'est quoi? Nul. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. 1-1, parce que quand on joue, si par exemple, ça va récupérer la carte ou le jeu, donc il y a un numéro, c'est 1. Et l'autre c'est 1, donc ça fait un coup nul. 1, 2, ça fait le 1, c'est le ciseau qui coupe la feuille. Donc le ciseau c'est numéro 1. Et la feuille c'est numéro 2. Le caillou c'est numéro 3. Donc on va continuer. Donc là normalement on a tout mis. Donc si on a fait des erreurs, on corrigera. Voilà. Il faut qu'on mette le fichier son. Le projet. On colle le fichier son. Voilà. Ok, alors ensuite, là, on peut fermer. Alors, maintenant, on va affecter ici, chaque fois qu'on clique sur chaque objet, on aura le code. Alors, donc le ciseau, c'est le 1. Alors, on ouvre. Alors moi je mets image, donc on est dans le ciseau, est égal à non, c'est pas ciseau, ici c'est player, image player égale le ciseau. On clique sur le ciseau, donc automatiquement on affecte l'image du ciseau. Okay. Ici, on affecte la variable jeu player à 1, parce que le ciseau correspond à 1. On lance le hasard sur l'ordinateur, parce que nous on a joué, donc maintenant c'est à l'ordinateur de jouer. Alors, on va vérifier si player humain est à 10. Voilà. On va faire le son manche. Ouais. Alors, le player a gagné le tournoi, la manche. Une manche se fait en 10 points. Le player a gagné la manche. Donc player humain plus, player humain 0, player ordinateur 0. OK. Si c'est le player ordinateur qui est à 10,
L'ordinateur qui a gagné la manche. Ok. Maintenant. Si player match moins player est égal à 2, alors humain a gagné le match. Ok. Et si. Okay. Si player ordinateur match moins player match égal à 2, l'ordinateur a gagné le match. Et on cache les images. Alors, on fait la même chose. Pour l'image caillou, non feuille, c'est-à-dire le papier, image papier. Allez, on change juste ici à place de l'image de fou, je mets player. Voilà. Non. Donc l'image player, on va voir la feuille dedans. Le jeu player ordinateur, on met un, ça sera le numéro 2. Donc ça pourra comparer ce que l'ordinateur met et ce que le player met. Et ça fait le résultat. Voilà. Et on va faire la dernière image, le caillou. Voilà, on fait le caillou. Là, on modifie, on met player. On sauvegarde. Alors, dans hasard ordinateur, il faut vérifier. Ciseaux, papier, caillou. Alors là, je me suis trompé. Donc, logiquement, ici, c'est pas ça, mais c'est image ordinateur. 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 Or, ordinateur, jeu player est égal jeu player plus 3, le 2 et le 1. C'est ça, hein. Je vérifie les chiffres. Donc ça, c'est le 1. 1. Donc là, c'est le 1. Code 1. Pour le caillou, c'est le 3. Et pour le 6, le papier, c'est le 2. Voilà. On retourne là. Voilà, c'est que c'était. Là. Non, c'est là. Ciseaux le 1, feuille le 2 et caillou le 3. Donc ça c'est juste. Voilà. Ok, donc on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc on met la fenêtre principale. On coche. Alors, il y a des erreurs. On va voir les erreurs. Qu'est-ce que c'est les erreurs? GS player ordinateur est 1.
Et réparer. Alors. Là, on a tout qui apparaît pour l'instant. Parce que ça devrait pas être utile. Donc, on va le refaire. Donc, il faut fermer ça. Ici, description. Visible, non. Donc, je sélectionne celle-ci, celle-ci. J'appuie sur Switch F4. Voilà. Maintenant, les images sont invisibles. Alors, au démarrage, le bouton, est-ce qu'il est invisible? Je ne m'en rappelle plus. Alors, le bouton, il est invisible. Description, invisible. Voilà. Donc, pour régler le jeu, hein, alors, bon, ça par contre, celui-là, description, ancrage,